Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Non, on peut pas. Hein ? Ah oui, la question, j'oubliais. Peut-on faire de la pub en exploitant l'image d'un enfant ? Nouveau-né qui puisait. La pub, comme d'habitude, n'a pas la moindre conscience du message qu'elle véhicule. Non mais regardez-moi un peu ce travail ! Ça vous donne pas envie de pratiquer des atrocités répréhensibles par la loi, mais néanmoins libératrices et procurant un plaisir manifeste ? Ah non, hein, ne me faites pas insinuer n'importe quoi, bande de dégueulasses ! Voilà, c'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais répondre après une question, mais avant ! La preuve, personne n'a dû avoir la présence d'esprit de se questionner 2 minutes avant de pondre une idée pareille. Bon les gars, en tant que nouveau chef de la communication par intérim, l'entreprise m'a chargé de positiver son image. Alors, on silence les cocos, brainstorming. Bah, on pourrait trouver un truc rassurant, un truc mignon, quoi. Ouais, bonne idée, ouais. Un chien ? Non, trop amical. Un écureuil ? Non, trop caisse d'épargne, les gars ! L'entreprise, elle est forte, elle donne confiance aux gens, elle est expérimentée, merde ! Mais enfin, Michel, mais comment tu veux qu'on fasse ? C'est vrai que depuis qu'on existe, on fait que refiler des missions de 2 semaines que personne ne veut à des gens qui ne peuvent pas refuser. Et puis tu sais qu'il y a des gens qui passent leur vie à aller d'emploi en emploi. J'ai tellement honte de ce que je fais que je préfère dire que je suis au chômage. Oh putain, c'est génial! Ça y est! J'ai un bras de nourrisson, nu, avec une étiquette, vous savez, pour être sûr que les chiens soient bien ceux qu'on croit! Avec le nom de l'entreprise calligraphié dessus, et le slogan. Toulouse Intérim. Depuis notre naissance, notre vie, c'est l'emploi. Je me sens tellement sale! Moi aussi. C'est marrant, moi aussi. Moi, ça me dérange pas. Mais finalement, que nous raconte cette affiche ? Eh bien que dorénavant, l'emploi est aussi une affaire de poupons, et que ces derniers doivent être considérés pour ce qu'ils sont vraiment, des chômeurs en puissance. Il me tarde de voir les premières visites prénatales chez les obstétriciens conseillers Pôle emploi. Madame, monsieur, tous les signes avant-coureurs sont là. J'ai le regret de vous annoncer que votre fils sera artiste. Oh mon Dieu ! Vous voyez déjà, hein, il dort 90% de son temps, il loge encore chez vous, et il se nourrit à travers votre cordon ombilical, madame. Moi qui croyais que c'était normal à 6 mois de grossesse. Mon Dieu chéri, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a qu'une seule chose à faire, Sharon. Tu vas devoir avorter. Je comprends, j'avais anticipé cette solution. Pendant que monsieur signera les papiers de radiation de votre fœtus de la liste des demandeurs d'emploi, je vous demanderai, madame, de bien respirer et d'écarter les jambes. Et puis, pour ce qui est de l'assignation des tâches salariales, rien de plus aisé. Ainsi, avant même que les marmots aient prononcé leur premier mot, et grâce à la base de compatibilité compétitive et génétique, on sélectionnera les forces productrices nécessaires pour atteindre les objectifs de PIB, tout en reclassant les autres dans l'intérim pour remplacer ceux qui meurent prématurément. Bon, d'accord, je veux bien admettre que mon extrapolation peut comporter certains excès, mais force est de constater que cette publicité nous assure de 2 choses. 1. Que les irresponsables qui ont laissé le bras nu de leur enfant servir de propagande ne méritent que de se faire castrer à vif ou ligaturer les trompes, suivant la tuyauterie, pour ne pas qu'ils leur prennent l'envie de rééditer pareil exploit à chaque fois que l'un ou l'autre oubliera l'immaculée contraception. 2. Que ces agences privées chargées de boucher les trous des entreprises de leurs clients ne se préoccupent finalement que d'un et un seul type d'emploi, le leur. À bon électeur, salut.